Donc là maintenant, on va tester, voir ce que ça fait quand des véhicules entrent dans des bombes nucléaires. Allons-y! Oh my god! Holy Jesus! Hey, what's up ma gang de vous autres? Ici Satan. Aujourd'hui, on va jouer à Beam NG. C'est un jeu de simulation de véhicules, puis les dégâts sur les véhicules sont assez réels, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation. Oh mon dieu! Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester plein de maps, on va tester plein de véhicules, on va tester des mods, puis des scénarios, puis on va essayer de finalement avoir bien du fun en étant des satanistes ici dans cette maudite communauté là. Je suis sûr que ça va vous faire du bien de voir des véhicules être écrasés, détruits, explosés, ainsi de suite. Alors sur ce, on va tout de suite commencer à tester des trucs. Là je suis sur une map, je me souviens plus exactement du nom, mais c'est pour faire des tests de crash. Donc ça s'annonce bien. Fait que premièrement, j'ai un petit saut ici qui va nous mener vers quelque chose. Je me suis fait un véhicule vraiment insane, je vais vous le montrer après cette... Et bon, premièrement, on a déjà le châssis qui est tout scrap. Oh, nice! Oh oui, des beaux dégâts, ça. Ça, c'est excellent. En plus, on peut faire des slow motion, on peut faire des changements de caméra et tout ça. Fait que, mettons que je vous showcase ça, les dégâts. Checkez ça. On voit même le moteur. Le moteur est encore fonctionnel, comme on peut le voir dans la grille juste en bas. Ça, c'est quand même très drôle parce qu'il a mangé un méchant coup. Je me suis pris un véhicule puis j'ai mis des néons dessus. C'est exceptionnel, pour vrai. Puis on va tester tout à l'heure avec des passagers, voir si les passagers dans la vraie vie survivraient. Ça serait vraiment super drôle. Fait qu'on va réessayer ça, par exemple. Fait que là, c'est ça, je voulais vous montrer justement un petit showcase. Je me suis mis une plaque du Québec, je me souviens, avec mon nom. C'est un AWD, c'est vraiment un méchant beau char, là. Avec, checkez ça, les graphiques, les reflets, comment que c'est insane. C'est tellement beau. Puis si, par exemple, on va dans l'habitacle du véhicule, là, on pourrait quasiment sentir que c'est du cuir, c'est assez fou. Il y a le GPS, là, il y a tous les détails qu'on pourrait expecter d'avoir dans un char. Puis, par exemple, mon char avance, ça change en temps réel. Si je me mets dans le reculon, tout ça, mon essence, des trucs comme ça, c'est vraiment fou. Si je klaxonne... Ouais, c'est ça, c'est N. Je peux mettre les hautes, puis si on regarde dans le dashboard, juste ici... Si les hautes sont élevées, il y a même le piton. C'est à ce point réaliste, pour vrai, comme jeu. C'est vraiment très, 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 très cool. Puis, si j'ouvre, par exemple, ici, le fun stuff, je peux mettre en feu. Je peux désintégrer. Je peux enlever le feu, of course. Je peux péter les pneus. Fait que là, ça va sur le flat. Fait que c'est plus difficile de rouler. Si par exemple, je décide de faire une explosion, je peux aussi m'amuser à faire des. Tout ce qui est hinge. Tous les trucs qui tiennent les pièces ensemble, ça pète tout. C'est assez cool, mais la partie la plus cool pour vrai, là, c'est quand ça brise. Tout tombe! C'est juste fou, man! Checkez ça! Incroyable! Alright, fait que c'est le genre de truc qu'on peut faire, puis on a même une liste de tout ce qui brise, pis tout. Fait que c'est le genre de truc qu'on peut faire dans le jeu, fait que c'est vraiment insane. On peut aller faire une vue intérieure, je peux faire une vue sur le côté, une vue cinématique. Je peux vraiment avoir du fun. Je vais réessayer ça. Comme ça. Je vais le mettre à x100. Je vais le mettre en vision comme ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, genre 36. Ça va-tu être suffisant? Ouais, ça va être suffisant. Fait que là, on voit déjà tous les débris qui peuvent s'y retrouver. Fait que si, mettons, je décide de faire un petit peu plus rapide. Mettons un x2. C'est quand même très intéressant. Je peux suivre le véhicule. Voir finalement tous les dégâts qu'il va y avoir à l'extérieur en slow motion. Ça, c'est insane. Rentre dans le véhicule. Paf de même. Perd le châssis, tout le kit, perd une roue, flat. Ça, je sais pas c'est quoi. Ok, c'est genre les tuyaux dans le dessus du véhicule. Fait que ça vous donne une idée que c'est quand même assez insane. Fait que là, je m'en vais essayer de quoi d'autre, ça va être très très cool. C'est genre un espèce de petit parcours. Et que les bruits en plus sonnent bien, là. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ok, ça, ça va faire mal. On va-tu s'entendre pour se le dire? La map est quand même grande. Ça, ça va faire mal. Ça, ça va faire excessivement mal. Il va à peu près atterrir... à peu près ici. Oh! La roue! La roue a juste dit bye-bye! Bye-bye! Excellent, pour vrai. Excellent. Parfait, on va mettre des passagers. Alright, fait que je viens de mettre des passagers, puis même qu'en rajoutant des passagers, parce que j'ai vraiment une multitude d'options que je peux faire, je peux même leur mettre des ceintures ou pas de ceintures. On va juste placer la caméra comme ça, puis là on va réessayer ça. Oh my god.
Premièrement, ça se passe pas bien, on s'entend bien pour se le dire. Oh my god, l'habitacle a cassé! Oh my god. Fait que l'habitacle a complètement arraché. Là, de ce que je vois là, par contre... De ce que je vois, il a pas l'air d'être attaché. Ils ont tous l'air pris, finalement. Oh, il y en a un qui est tombé! Ben non! Oh my god, fait qu'il est comme vraiment plus pris que la moyenne. Les autres ont tous tombé. C'est ridicule. Oh my god, on réessaye ça, voir. Dans la vision de l'habitacle. Fait qu'on est sur le conducteur, là. Mettons qu'on se pogne un bon... Ah, shite! On s'est pris... Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé à côté! Oh my god, il a complètement aplati. Hey, on réessaye ça. On est supposé aller dans une trajectoire bien fixe vers l'avant, mais nous autres, on a décidé... Il y a même encore les traces de pas de la dernière fois. Nous autres, on a décidé qu'on allait un petit peu du hors-route, hein? Samuel, il est fou de même. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une crêpe. Oh my god. Puis mettons qu'on veut essayer un autre véhicule, c'est super simple, on a juste allé dans le menu véhicule ici. On a vraiment énormément de véhicules. Des poids lourds, on a des bus, on a toutes sortes de choses. J'ai l'impression qu'un bus, ça pourrait être assez drôle. On va y aller vers le Hero parce que si on regarde dans la section performance, il est capable de faire du 0 à 100 en 3.1 secondes. Pour un bus, c'est incroyable, ok? Puis il y a même un piton turbo. T, alright, fait qu'on y va. Oh my god. What the hell? C'est un bus aussi. Oh my god. Oh my god. Oh, ça va être dégueulasse. Oh, ça va être dégueulasse. Ça a juste aplati puis explosé. Le moteur est parti. Oh my god, checkez ça. Not in service. Ça, c'est le cas de le dire. Il continue d'avancer. Oh, la turbine du moteur, je l'ai réactivée puis elle est juste partie en feu. Oh my god. C'est incroyable. C'est incroyable. On réessaye ça, mais on essaye de le faire tomber dans le trou, voir ce que ça donne. Hey, avec la petite cape pis tout. Oh mon dieu, ils se prennent pas au sérieux. Hein. Et... Oh non. Oh non. Oh que ça va être dégueulasse. Ça passera jamais dans le trou. Oh, ça va rester coincé. Bye bye. Ah, oh, ça a resté coincé. C'était toujours de demander c'était quoi l'impact d'une bombe nucléaire Stage 4 sur un bus. Ben aujourd'hui, on va le savoir. Il montre même que la trajectoire. Fait que mettons que je le laisse tomber de cette hauteur-là. Uh-oh. Oh, shit! Ça a ouvert le patio complètement. Aïe, aïe. Fait que là, je vais vous montrer avant de faire quoi que ce soit, parce qu'on s'entend, on veut être sur la même longueur d'onde. J'ai mis deux bombes nucléaires de chaque côté. Et je me suis mis un nouveau véhicule. Fait que là maintenant, on va tester, voir ce que ça fait quand deux véhicules entrent dans des bombes nucléaires. Allons-y. Oh my god. Holy Jesus. Fait qu'on va réessayer, mais bien évidemment en slow parce qu'on veut voir un peu ce qui se passe quand on le fait. On va y aller comme ça. Oh my god. Ça va faire boum! Holy freaking Jesus, man! Il s'est même pas rendu! Il s'est même pas rendu! Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut manipuler à la main. Fait que si par exemple, je donne une force avec ma molette, j'augmente la force comme ça, je donne une bonne force, puis là, je décide... BAM! Toi! Là, ça a tellement fait bugger les decals que ça a revolé, puis ça a fait des lignes! Oh my god! Ok. Ah, fait que là, on va réessayer. On va faire un ralenti de moins 2. Puis on va y aller all-in sur le véhicule. Comme ça, pour qu'il explose. Et que ça nous donne accès aux bombes dans l'arrière. Oh my god. Est-ce qu'il roule encore? Non. Plus de moteur. Il n'y a plus de moteur, guys. Fini le moteur. On peut le voir en rouge comme ça.